Je m'appelle Cédric, j'ai 27 ans et je suis vendeur. Bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 29 ans et je suis conseillère du 9e arrondissement de Lyon. Je suis Rémi, j'ai 22 ans et je suis professeur des écoles dans une classe de CE2 à Lyon. Je m'appelle Fabien, j'ai 18 ans et je suis lycéen. Je m'appelle Alexandre, je suis soignant aux urgences de Lyon et responsable des jeunes générations nations du Rhône. Notre génération souffre de l'Europe du terrorisme, du chômage, de l'austérité, du sans-frontiérisme, avec pour conséquence l'immigration massive, la misère sociale et la précarité. Et c'est parce que nous sommes profondément européens que nous sommes contre l'Union européenne actuelle. Mon Europe, l'Europe que je souhaite, est celle qui protège les peuples, non pas en se cloisonnant, mais en réinstaurant des frontières extérieures. Nous voulons une Europe qui respecte les nations. Une Europe où chaque peuple est maître de son destin. Nous voulons une Europe qui coopère, en mettant sur la table tous les États qui veulent participer à des projets comme Airbus ou Ariane. Enfin, nous voulons une Europe qui assure et défende sa culture et ses traditions. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Il nous reste 4 mois. 4 mois pour convaincre les Français d'aller voter le 26 mai prochain. Il n'y a qu'un seul tour à la proportionnelle et il faut qu'on arrive en tête. Pour cela, la jeunesse doit se mobiliser et se faire entendre pour défendre ce grand projet d'une Europe des nations, des coopérations et des libertés. Bref, nous sommes l'avenir et l'avenir se construit dès aujourd'hui. Le 26 mai prochain, tu fais quoi? C'est simple, moi, le 26 mai prochain, je vote pour le Rassemblement National, je vote pour l'Europe, je vote pour Jordan Bardella. Le 26 mai prochain, je vote Jordan Bardella.